vous avez dit, j'ai pas compris. Je vous disais, est-ce que vous étiez musulman? Est-ce que je suis musulman? Ça, c'est une question extraordinaire que vous me posez. Vous n'êtes pas la seule à me poser la question, parce que vous savez, je vais vous dire vite fait, je vais vous répondre à votre question d'abord. Quand il y avait les visites médiatisées à Valence, où j'amenais ma fille, je la laissais, et pendant 2 heures, mais et qu'est-ce qui s'est passé? La responsable de ces visites médiatisées m'a pris à part d'un bureau, comme on faisait souvent, vous voyez. Et un jour, elle m'a posé la même question que vous. Est-ce que vous êtes musulman? Alors, je sors à peine, il est 12h10, de l'entretien avec la conseillère d'emploi. Un entretien, j'allais dire, un peu surréaliste. Alors, mardi 7 mars 2017. Ça fait la deuxième fois qu'on me demande si je suis musulman. C'est vraiment extraordinaire et je trouve très discriminatoire. Heureusement que je ne suis pas musulman, sinon on m'aurait crucifié. Bon, je dis ça, bien sûr, sous forme de boutade, mais je trouve que c'est quand même très discriminatoire de demander la religion de quelqu'un alors que je viens au Pôle emploi. Voilà.